Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo d'objets sur Legend of Legaia. On s'attaque cette fois-ci à Buma et au retour au centre de recherche Usha, du docteur Usha. Donc vous allez voir qu'on a trois objets à récupérer, ce qui n'est pas beaucoup, mais je dois absolument vous les présenter parce qu'après on s'attaque à un nouveau donjon. Et donc je ne vais pas lier toutes ces trois zones alors qu'elles sont assez distinctes dans l'histoire. Donc au moment où vous aurez parlé à Kara et vous aurez la partition, enfin même après d'ailleurs, vous avez deux objets disponibles à Buma, enfin à Buma même, je dirais. Vous avez un objet à l'auberge, donc tout à gauche vous avez un petit coffre juste là, donc qui contient tout simplement un fruit magique. Et dans la maison de Kara, donc juste au nord-ouest du village, vous avez à l'intérieur de la cheminée un fruit guérison. Voilà, donc ça vous fait toujours ça en plus, c'est pas grand-chose, mais voilà, ça vous fait deux objets qui vous emmènent déjà à 75% des objets. Tout pile, donc là vous êtes vraiment aux trois quarts du jeu, c'est plutôt pas mal. On se téléporte ensuite au centre recherche Usha, et ici un nouvel objet est apparu, et ça c'est un objet qui va extrêmement nous servir. Il s'agit tout simplement de la canne légendaire. Donc la canne légendaire va nous permettre tout simplement de pêcher les poissons les plus rares dans les points de pêche. Donc vous avez deux points de pêche, vous en avez un à côté de Bouma, vous avez sûrement vu le lac. Et vous en avez un à côté de Vidna. Donc voici la canne légendaire. Vous voyez, elle est entre les deux lits au nord-est de la première salle du centre de recherche du docteur Usha. Donc si vous avez des questions, quoi que ce soit à propos de ces trois objets, vous n'hésitez pas à m'en faire part, j'y répondrai avec plaisir. Pour la quête de la pêche, je ne sais pas si je vais la faire maintenant. Je la ferai peut-être un petit peu plus tard. Moi là, personnellement, j'ai pas spécialement le temps de m'attaquer à cette quête là au moment où je fais cette vidéo aujourd'hui. Mais je sais que dans la playlist, je la placerai peut-être juste après cette vidéo. Mais bah, en réalité, je la ferai sûrement un petit peu plus tard dans l'histoire. Donc si vous voyez quelques incohérences, peut-être au niveau de mes objets, de mes niveaux, etc., ne vous inquiétez pas, c'est normal. Donc vous pouvez très bien commencer cette quête maintenant, la finir maintenant. Donc voilà, vous verrez un petit peu comment ça viendra dans ma playlist. Pour l'instant, je ne sais pas trop comment je vais m'organiser. Mais en tout cas, c'est la fin de cette petite vidéo annexe d'objets. Avec trois objets supplémentaires, vous atteignez les 75,38% puisque la canne légendaire comptait dans les objets à récupérer. Et donc voilà, c'est la fin de cette petite vidéo annexe. Merci de l'avoir regardée. N'hésitez pas à laisser des commentaires si vous avez des questions ou quoi que ce soit. Et sur ce, on se dit à tout de suite pour une nouvelle vidéo sur le magnifique Legend of Legaia. À tout de suite.